assalamu alaykum wa kon mbok yi akharit yi ma ngi len di nuyu di len geureum di len sante di bek ci tewat sen kanam ngir waxtan ak yeen. Oui, en effet, j'ai bien regardé la vidéo donc concernant gisna xol na bu bax vidéo bi discours Ousmane Sonko bi mu def gnaaw biñu publier résultat provisoire. Wow, discours liñ ci mëna jangat, discours bu neex liñ ci mëna jangat barina rawatina discours homme politique. En particulier discours bo xamné ki kay prononcer mi ngi génn ci ay élection. Mu ñak élection yi wala mu gagné ko fi ki dafa ñak élection yi. Légui nak discours bi muy délivrer forcément discours la bo xamné day am jangatu li nga xamné mom la doon def ak di wajjal itam li ñuy def mal. Kon boko xolé ci discours bi ñu commencé par li ñuy def mal wax na ci lu jëm ci élection locale yi nga xamné ci ñexitu lu at mi lay am koku ben tombe la ci li nga xamné waxon nako tombe yu bari la abordé duñu mëna laal lepp mais dinañu feñal li nga xamné moy aspect politique yi gëna fess li nga bala mako faté té mo amone importance trop moy gëreem yi ak sante yi nga xamné gëreem nako kilifa yi diiné yi nga xamné ñoo japp ci yëf yi ak seeni ñaan ak seeni xelal moy accompagnement bi ak niñu xelalé acteurs politiques yi ak ñaan yi nga xamné ñu ko doon def ci réew mi ngir réew yi yëf yi jaar yoon gëreem na leen sante leen gëreem na itam mobilisation historique bu xalé yi jeunesse bi nga xamné ñu ci bëri ci ñoom ngi doon voter pour la première fois koku sax dinañ ci ñëwaat taxaw ci tuuti ci jàngat bi voilà jigéen ñi naka nonu ak surtout wa diaspora bi nga xamné taxawu nañ ko jappalé ko ci kom jënd ay waru way jox ko dalal ko fi bi mu ñëwé jël seeni téléphone wo mbokk ya ak ñenn ci ñun jël seeni billet d'avion dem Sénégal ngir campagne kon dëgg wa diaspora bi aussi résultat bi mu fi am woné na ni dëgg taxawu nañ ko parce que élection yi passé fi mu am score yi gënon na kawé dëgg diaspora bi bokk na ci ñi nga xamné ñoko permettre ñoko may mu yegg fi nga xamné fa la yegg tay wa élection yu guen jeune yi jaron nañu gëreum soxna yi itam parce que bo gisé ni élection yu ñu guen mo gënonu bari nit ñi ci bok voilà il y a eu plus de participants votants yi dem nañu ba tollu ci 66% bu fichier bi kon xam nga lolu bari na nit voilà 4,426,344 personnes yu voté bari na machallah donc lolu itam deug ñu war ko santé bo lay mom ci bopam nak pour une première boko tekkale li nga xamné mom la am ci ay bat boko tekkale ak li mo amone ci législative deug def na djégo bu maga mais ñaari xétu élection yu bokku ñu ba le législative le bi présidentiel la bi natukaay bu bess la bokoy nat dang koy nat ak yenen ñi nga xamné nekkon nañu candidat bokoy nat ak président Macky Sall bu muy ñëk nekk candidat li nga xamné mo dox seen digënté danaka bari wul matul sax 50,000 voix matul 50,000 voix parce que président Macky Sall bu muy doga présenté wu en 2012 au premier tour mi ngi amone 719,367 voix et Ousmane Sonko am fi 687,065 nga gis né té que le nékkon ministre premier ministre président de l'Assemblée bala muy nek candidat té mom fonction publique la jogué ñu rajé ko fo mu nek juste un député première participation mu am un taux bu kawé ni boko jëlé bu un nombre d'électeurs bu kawé ni boko jëlé en termes de taux mu nek ci 15,67% le taux où président Macky Sall moko upp lui il avait 26,60% ci 2012 premier tour bi deuxième tour bi le yek ba 65%. Waaw benen jangat politique bima ci bëgga def moy que effectivement pour man wax deug yalla ñi nga xamné ñom la Ousmane Sonko andalon ci campagne électorale di ci élection yi deug waron nañu fexé ñu bolé sen bop continuer di and di liggéey parce que ci lima gis lima jotté sen parce que togu ma ñom lima jotté sen de loin gis na né deug nuru nañu ay nit yu déggo yu and bu rafet ci liggéey bi meloon nañu joxanté nañu won cër té wolu nañu won sen candidat taxawu nañ ko bu baaxa baaxa ba ci li nga xamné mo amone voilà donc pour man dal dox deug yalla
waro nu mëna fexé xol nuñu def ba xam dañuy fusionner seen structure wala ben structure day absorber benen bi ben yenen yi je pense que pastef absorber yenen yi moy gëna yomb parce que pastef nit ñi xam nañ ko mais aussi il y a le devoir de mémoire kul démé ni ay structure yi démé ni RND koku pour parti bu gëna bes absorber ko dina jaxé ndax histoire wu professeur Charente Diop du yomb hein MRDS aussi pour nous absorber ko du yomb ay tendance peut-être ñoy ñew sobu ci bir fi ñu continuer sen liguey wala ñu def ben coalition rek permanente ku nek garder sa existence mais quand même buma sañon ñu fexé nu ñuy défé ñu ñuy bolé sen bop continuer wajal sen bop ñu dugg ci jogante yi di ñew bu ko défé dinañ ko mëna natt sax dinañ ko mëna natt ci élection locale yi di ñew nga xamné soretul ci jéxitul at bi lay doon dina doon test ñu xol naka lañuy mëna def mais deug deug doon na rafet naka nonu professeur maître Madi Kenya maître Madi Kenya ñiko jappalé ñepp ñi mu andal ñen ñi c'est sûr que ceux qui sont au PDS je crois que la plupart de ceux qui sont avec maître Madi Kenya mais qui étaient encore au PDS dinañ ko top dinañu génné PDS té buñu génné PDS dinañ ko fekk voilà ça c'est sûr dinañ ko fekk wala ñen ñi buñu dinañ génné PDS té dinañ fekk Idrissa Sall ça c'est sûr c'est sûr. Voilà, lolo mom attendons de voir ci kanam mais bo jangate yef ñu muy démé di nga gis né dina am ay départ voilà dina am ay départ ay cadre yo xamné dinañu génn ci parti yoyu parce que c'est normal organisation bi moy laaj lolu pour que ce soit plus vivant voilà lu wara mëna nek na té luñu wara mëna nangula aussi waaw lolu amul ben difficulté aussi il en est de même hein, pour Idrissa Seck son groupe là ça va être un peu plus compliqué hein am na fi bari na ay kangam yu am sen parti am sen moyens am des élus xam nga rew mi par exemple mo fusionner ak bok gis gis ay convention pour liguer ensemble mais rien n'empêche que ñu mëna fusionner buñ ko def c'est cohérent parce que ñoo bok origine hein légui kan moy absorber ki ci dess wala dañuy fusionner wala ban forme lañuy adopter ñom ñoo ce sera à eux de voir quoi ñom ñoo xol naka lañ koy wara mëna def mais grand parti beaucoup gis gis réumi avec les autres partis acte bu Abdoul Mbaye yoy yep sans oublier ak agir bu bokum ñom ñep dañuy delouat sen base mais je pense que baxna quand même nous examiner des possibilités de reconstituer ce groupe là mo am ben parti bu absorber SDS wala ñu def sen d'une organisation bo xamné mo leen di permettre ñu dem ci élection yi ce sera plus lisible dina gëna yomb ku nekk fi nga for ñu bayé la fa ñu avancer je crois que lool dina ci bax trop quoi voilà professeur Issa Sall man nak su amé une déception ci pur la amé déception wax dëgg yalla man bu amé déception ci score pur bi la amé dëgg déception c'est vrai que progresser nañu par rapport à aux législatives nga xamné ils étaient à 155 000 voix les filles cette fois-ci nous am le polol am 178 000 donc en clair yok nañu quand même de plus de 20 000 voix de plus de 23 000 voix quasiment hein quand nga gis né amna progrès bu am mais par rapport ak limu don seenu wax deug yalla score au pur bi jaxal na trop dafa touti mais je pense aussi que c'est dû au fait que incident bi amone à Tambacounda impacté na sen campagne parce que jotol nañu taxaw 2 jours je crois de campagne ñu et même bu lool sax ci jeexital bi lool daf lay perturber mais defé na né du ce n'est pas la seule raison en fait incident au tabac bi ce n'est pas la seule raison il y a aussi d'autres raisons qu'il faudra prendre en compte il faut que ñom ñu togat évaluer li yépp xol naka la yéfi démé ba sen score li nga xamné ñu man day personnellement lima doon seen dal yakaron na ñu am lu ëpp li waaw mu amé mbétel ci pur la joggé waaw fofu mom mbétel bo xamné pour man déception la parce que ma ngi doon seen lu ëpp li ñu am waaw non en fait dafa am ay score yo xamné wala ay position bu do def classement très honnêtement boy def classement à peu de choses près ni élection yi démé ni classement bi raisonnablement non la mais nak légui score yi ni am ñele ak ñele am fofu la différence am par exemple man le score du président Macky Sall dès le premier tour mo am 2 554 000 pour man barina voilà
pour man bari na j'essaie de comprendre explication yi yenn yi moy yi ma doon joxe ci sama debriefing bu barke demb hein pour expliquer un tout petit peu score yi jema comprendre lan la en regardant la carte électorale pour jema comprendre les zones les scores yi ñu fa am ak yépp yépp voilà mais score bi bari na très honnêtement bu amon li au deuxième tour y a rien à dire kenn du ci mëna wax dara mais am ko au premier tour moma xawa bête comme nous score pur bête aussi voilà mais que mu jitu pour man amul won ben problème dafa nara jitu au premier tour ni Abdou Diouf jitu won au premier tour ni Ablaye Wade jitu won au premier tour mom fi itam bu jitu won amul ben surprise jitu bi mom amul won ben surprise que éventuellement mënon na gagner ce n'était pas à exclure mais score bi c'est un score écrasant moma ci xawa ki dal voilà mais njangat bi du Macky Sall mais c'est juste les scores en tout cas pour Ousmane Sonko que yaakaar lu bu juddu c'est un espoir qui vient de naître na xamne nak il ne lui sera pas fait cadeau bumbu ko woko faut pas qu'il dorme sur ses lauriers kenn du ko yërem nit ñi dinañu def seen travail lui aussi na armé bopam waajal bopam xamni dafa wacc sur un terrain politique mo xamné c'est une compétition et la compétition elle doit être loyale en tout cas man ma ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di am mbégté ci li nga xamné moom la tiitoon lool pour mon pays je vois que nit ñi ni ñu ko ragalé woon tension baa ngi wàcc gis na sunu mag ñun ñëpp maître Mady Keïna mu génn ci këru Khalifa bi démb ak kanam gu kilé daal gu dal ndeysaan dégg naa ne on m'a dit que dafa doon jooy mais bon je comprends c'est normal le Premier ministre Idrissa Seck aussi gis naa ni performance bi mu réalisé par rapport xëy na lu mu doon seenu déception lay doon mais itam gis naa ni mu génnee kër xalif bi bilaay lii moo tax ñu naan mag mat naa bàccim réew am kilifa baax na nit ñi sonoon nañu ñëpp tiitoon fi mu nekk nii mais de voir ni ñuy génnee kër xalifa bi ak attitude yi ñu jël message bi sunu rakk ji délivré aussi muy Ousmane yooyu yëpp rassuré na nit ñi dama naan vive le Sénégal vive le Sénégal li leen doon wax que le meilleur gagne dëgg la amoon nañu yéene li ci des nag mooy président de la République moom lay adressé message bi dama ne woon pare woon naa sax ci parti boobu moom lay adressé message bi wax ko ni ko dëgg-dëgg il a une occasion trop belle pour marquer l'histoire du Sénégal ci mandat bi ce sera un mandat au cours duquel il sera très critiqué bu defee yenn liggéey yi mais il sera plébiscité bu fekkente à la fin du mandat les réformes qui s'imposent def na leen parce que nak bari na ay yu ñu war a corrigé te loolu war na ko def man yaakaar naa ni la question du statut du leader de l' opposition war na ko réglé parce que dëgg-dëgg moom moo ko proposé woon ci constitution bi ñu voté ko voté nañ ko ba pare te je crois que fi ñu jumee mooy si formulation texte de loi bi parce que dañuy wax majorité parlementaire te boobog léegi majorité parlementaire bi je vois que ñu ngi hésité leader de l' opposition li gën a yomb daal la calculé mooy candidats yi daje woon à la présidence ceux qui ont eu celui qui a eu le meilleur score après celui du président mooy maanaam ki dem deuxième tour bu dee premier tour la ki gënoon a baax le score mu jeex buñ defee loolu c' est très simple ñu avancé daal di dem mais booy wax majorité parlementaire alors que on voit que ñëpp par coalition la ñuy demee loolu day ça rend compliqué la chose c' est ce qui fait que le PUR demande ce statut là kenn joxu ko ko parce que buñ ko ko doon jox aussi kan lañ koy jox ce sera au professeur Issa moom mooy nekk le leader de l' opposition ou Serigne Moustapha nga xam ne mooy patron au parti bi kan la ciy doon ci ñoom ñaar puisque c' est le parti le statut de leader de l' opposition leader opposition bi parti bi la njiitu parti bi lay doon donc Serigne Moustapha la bu dee njiitu député yi professeur Issa lay doon donc foofu aussi leerul voilà fëlee je sais que bu ko waxee bu ko waxul on sait que mu doon maître Wade leader de l' opposition ça a dû le gêner mu doon Serigne Moustapha si leader de l' opposition ça a dû le gêner léegi je pense que fi ñu nekk nii il peut changer le texte mun nañ ko changer puisque dans la constitution loolu la mun nañ ko changer préciser ni que c'est le leader c'est le candidat qui est arrivé deuxième après le président de la République mu jeex bu ñu ko defee mu leer moom mooy ñu préparé loolu parce que définir naa ko sama benn conférence d' ailleurs je pense que l'unité est sur la toile
Vous pouvez revoir ça, Bobo Gué. Waaw jërëjëf, maa ngi leen di nuyu, maa ngi leen di gërëm, di leen sant, di sawar ci dajje ak yéen, di waxtaan, et puis di ñaan yàlla mu may ñu dajje. Kasumai Sani Business Center est une société basée aux États-Unis, située à Washington. Kasumai Sani Business Center exporte des équipements de logistique dans le domaine médical. Kasumai Sani Business Center exporte aussi une variété d'équipements des États-Unis vers l'Afrique. Équipements de sécurité et de détection, matériel agricole et pièces détachées, vente de matériel médical et fournisseurs d'accessoires, technologie et biens de consommation. Kasumai Sani Business Center, téléphone 360 433 54 97. Kasumai Sani Business Center, une autre vision de l'exportation. Thank you.